Développement information concernant question calendrier électoral que KEP a mis de Yowa. Non, des collaborateurs Wilson Raymond qui mandait avec Moun qui a fréquenté troisième nan, surtout dans niveau Matissan pour faire un pile prudence puisque déjà là, ils sont informés donc que ils commençaient à tendre un pile coup de balle qui a chanté dans niveau Matissan. Ça veut dire au même qui a fréquenté Matissan qui a tendre Radio Méga, mais faire un pile prudence les Wabke pour arriver. Bien l'objet pour traverser zone Matissan yo surtout. J'en ai dit là dans le titre journal, gagne conseil électoral provisoire à travers communiqué de presse numéro 12A. Que y mettait d'ailleurs la date qui était lundi 26 juin 2021, mais Conseil électoral provisoire CEPA li informé la presse en général et population haïtienne non en particulier qui bien yo essayé finaliser là ça les projets décret électoral qui pral permettre que prochaine compétition électorale y organisée dans pays an. Mais décret ça cap gain pour l'adjoint exécutif là précisément président Jovenel Moïse pour le capable publier là dans journal officiel PA le moniteur Conseil électoral provisoire l'autre côté fait qu'on est ligué ensemble de perspectives ensemble de projets sous question réalisation élection générale et puis référendum constitutionnel en PA qui soumet calendrier donc calendrier qui modifié mais qui entre ça en les dates pour réalisation élection en pays. Et face avec question COVID-19 là, gain sanrelé yon guide mesures sanitaires spécifiques qui adjoint tout MSPP par rapport avec question date élection et puis question référendum non pour un dit grand formateur électeur tout le monde ça on est qui élément qui pral impliqué dans question réalisation élection dans pays à référendum selon ça audi et il y a bien la bien pour le soumettre avant longtemps tout remettre avec MSPP il travaille sur ça conseil électoral provisoire il réaffirme détermination il pour capable respecter bien accomplir mission comme ça droit dans toute indépendance yon en façon crédible honnête à transparence la donne. C'est Guirlande mise à Dieu, président avocate, président conseil là, qui lui-même sien en bas communiqué si là. Mais qu'on a en gardé non, Jean-Wilner Sévère, en dit calendrier en pile, mais en gardé deux gros dates ça yo, mais dates qui qu'un pour question référendum ensemble avec différentes élections de pays. Oui, calendrier qui en pile, bon, c'est un calendrier pour faire élection, c'est trois, c'est élection présidentielle, législative et puis aptougain. Et pour référendum, c'est 26 septembre 2021. C'est date ça qui est pour capable pour élection présidentielle législative. Et n'a pas, n'a ajouté ça législative là, c'est sénateur et puis député. Ok. C'est pour deux chambres et puis à tout gain pour élection pour affaires référendum. Et puis, l'autre date importante dans le cadre calendrier ça, amis auditeurs, pour capable gagner information, c'est et deuxième tour qui pour présidentielle et puis législative, c'est 21 novembre 2021. Premier tour fait 26 septembre 2021, élection présidentielle, législative et puis aptougain pour référendum. Non, mais deuxième tour pour présidentielle et puis législative, c'est 21 novembre 2021. Et campagne électorale pour deuxième tour, là, Blaise l'a commencé 21 octobre 2021, mais pour deuxième tour, c'est 21 novembre 2021. Pour question jour élection encore pour question élection municipale à Kalou Kamundi magistrat Kazek Azek délégué Vilio la fête 16 janvier 2022 c'est date ça qui kembe pour élection municipale à Kalou Kalio dans calendrier là n'a gardé calendrier électoral là eh bien date et conseil là kembe là s'il n'a capable dire là pour publication résultat définitif hein résultat définitif mais premier bon mal comme ça premier affichage de publication affichage résultat préliminaire yo pour élection municipale à Clocalio la fête 20 janvier 2022 et bien contestation pour élection municipale à Clocalio a fête 21 janvier 2022 publication résultat
résultat définitif comme si élection municipale ak local yo et a bay résultat pour 5 février 2022. En nous garder non pour question député ak sénateur même qui date oui date yo Québec pour yo pour résultat pour publication et puis affichage résultat préliminaire premier tour présidentiel yo premier tour législatif et puis ap tout gen référendum on a rappelé date qui kembe pour premier tour c'est 26 septembre mais publication et puis affichage résultat préliminaire c'est 2 octobre 2021 et puis publication résultat définitif pour premier tour présidentiel premier tour législatif et puis ap tout bay résultat définitif pour référendum là c'est 18 octobre 2021 résultat préliminaire c'est 2 octobre 2021 résultat définitif yo pour premier tour c'est 18 octobre 2021 mais pour deuxième tour qui prévoit fête 21 novembre 2021 nous fait forcément avec élection présidentielle et puis législative et résultat préliminaire c'est pour 27 novembre 2021 et puis et résultat définitif deuxième tour présidentiel deuxième tour législatif yo c'est va pour 7 décembre 2021. Voilà, ça c'est une idée sur le calendrier électoral ça que KPA lui-même mettait dehors hier lundi qui c'est 28 juin concernant réalisation élection you en da pays pour me dire élection you m'a parlé d'élection présidentielle législative municipale à cas local et puis question réalisation référendum mais pour référendum avec premier tour élection législative à cas présidentielle là l'ikembe pour 26 et septembre cap vini là Jean Monnier dia ranger causer non pour aller dans élection à réalisation référendum 26 juin cap vini là d'après conseil électoral provisoire côté président les guirnan des adieux c'est les mêmes qui signent en bas et communiqué de presse numéro 12 ça que KPA mettait dehors à hier lundi 28 juin 2021 On a toujours été dans cause élection à référendum. Ma réaction continue à tomber là. Le collectif 4 décembre qui croit ni élection ni référendum pas possible à pouvoir être calé. Jean-Robert Argan fait qu'on est administration Jovenel Moïse non pas inspiré confiance mélangé à climat et sécurité généralisée. Rend critère impossible. Coordonnateur général collectif 4 décembre non plaidé en faveur yon pouvoir transition qu'a formé à différents secteurs dans société civile non. En côté Jean-Robert Argan. Mon ami, il y a 27 jours, il y a des bagailles sérieux qui t'ont réglé. Pas de bagailles où ça a voulu faire là. Il y a 27 jours, c'était fait notre dame de perpétuel secours. C'est ça qui est important. Bon, cela dit, après référendum, je connais pertinemment que la nation va t'apprendre. Parce que il n'y a pas ni qualité, ni moralité, ni légitimité pour t'accabaler pour marrer pareil. Ok? L'approche. Est mauvaise. Que vous voulez faire une note de diversion pour projeter attention sur l'autre date, ce n'est pas le cas. Mais le fait est que il y a deux bagailles qui ne sont pas faites avec le gouvernement ça. Que le référendum et que l'élection. Parce que vous n'avez aucune moralité ou capacité ou compétence ou assise pour aller vers l'une ou l'autre. Le pays n'est pas prêt aujourd'hui dans l'état que l'IA pour aller vers ni l'une ni l'autre. La façon d'aborder, pas bon, non plus. Nous parlons d'un pays qui, maintenant, pratiquement, est de plus en plus subdivisé par cartel de gangs ou de bandits ou d'hommes armés ou n'importe quoi. Côté que nous ne se développe pas l'élection, côté que nous ne sommes pas capables d'aller faire et les campagnes. Comment on va faire? Comment on prend pour gérer la campagne ça? Comment on va dans nos protections? Alors que déjà, pas même gain, vraiment l'engouement, parce qu'on est depuis l'élection, qui est chauffé, on a chauffé, ou pas capable de gérer même le paquet de bagages, ça, aller au Kounia, ou pas de guerre, ou pas de non, vous moquez du monde, et parce que vous savez pertinemment que ce n'est pas possible. Nous-mêmes, ça nous dit, qu'il faut que société civile-là assumer sa croix supérieure. Parce qu'il faut passer, de toute façon, par une transition. Géré non pas par ces jeux politiques, mais géré par des personnalités qui répondent à des critères que nous, au moins des trois que nous définissons. Nous disons, il faut que ce soit des gens intègres, patriotes, compétents, au moins trois.
quoi qu'il y a ça. Et c'est si nous sommes capables de gérer, quel que soit côté sortir, quel que soit appartenance politique, ce problème appartenance politique. Mais critères de force à ce guerre, c'est juste à qui nous faut. Pour que au plus vite, on puisse rétablir le calme dans le pays, aller aux élections pour pouvoir choisir, non pas ça moins mal là, non, parce que c'est toujours ça en nous, c'est ça moins mal là, ce que nous choisissons, ou bien que yo, qu'aucun encore sage nous. Il ne faut pas aller dans le sens ça qu'on est à fond d'aller pour choisir le meilleur. Parce que le meilleur existe, parce que nous avons de bons citoyens, d'excellents citoyens, que ce soit ici, que ce soit à l'étranger. 5h55. Au tableau des déclarations, Jean-Robert Aga, qui est un responsable collectif 4 décembre, qui a réagi sur la question élection et référendum en deux pays. Pour l'organisation PEPCAPLUITE, Daniel Siriak a voyé un pinga bay tout le monde dire pour t'agir à négocier en batable dans l'idée pour qu'on va faire partie du nouveau gouvernement. Toutefois, pour Paul l'a dit, il n'y a pas aucune information. Membre dit pour t'a faire partie du nouveau gouvernement. S'il a qu'à parler en pile dans la société, l'idée politique a renouvelé et position et c'est ça pour pas dans la cohabitation pour pouvoir en placer un côté déclaration. Daniel Siriak, un ami Blaise Peterson. Rien de ça, surtout. Si vous dites un pile de monde qui t'a rencontré avec délégation l'OEA dans l'image pour faire partie du gouvernement, oh, moi-même, qu'on aime dans Diopod, nous avons une délégation Diopod qui t'a rencontré avec mission l'OEA, et moi, j'ai assurance que personne dans Diopod n'a pas mêlé dans un bagage comme ça. Donc, parce que la position Diopod est claire, les ferme et les traduit à travers accord 5 juin 2021 que Diopod signait avec d'autres acteurs politiques. Les clair que pas gagné pièce logique de, cohabitation avec Jovenel Moïse. Donc c'est mettez toute saleté gagnée comme connaissance, comme art et dans destruction pays. Donc, qui sentait mettre le pays à plonger le pays dans la ville. Donc, pas gagner personne qui a l'esprit sensé, je veux dire là, qui est capable de décider à collaborer avec Jovenel Moïse pour continuer à éliminer le pays. Donc, ça veut dire, ou au courant, ou bien montrer que au courant que question formation gouvernement lié à parler, ou même comme dirigeant politique, ou au courant de ça quand même. Dans le texte, dans le texte a écrit là hier soir, et bam les pour, et sur certains livres du paquet et éléments d'information, seuls les lupiciens se trouvant malheureusement dans l'opposition peuvent s'associer avec Jovenel Moïse dans la formation d'un énième gouvernement de facto illégal pour continuer à précipiter notre République dans l'abîme. Le peuple haïtien finira par les identifier. Est-ce que ça veut dire que Daniel lui-même, au courant que il y a des acteurs d'opposition, qui eux-mêmes t'a voulu aller dans la formation gouvernement ça? Pourquoi yon moun t'a trouvé dans l'opposition? Et puis qu'on y a là pour le savoir permettre aller soit non combine en bas et en bas table pour des intérêts personnels, intérêts mesquins, à l'intention de gouvernement avec Jovenel Moïse. En dehors de aucun accord qui n'a pas garanti que Jovenel Moïse HTK a quitté ce pays, ou mettre point que c'est pour le monde normal. Daniel Siriak qui a dressé en table somme sous situation sécurité pays a fait qu'on est quitté ici à accord 5G en continuer à dialoguer en façon pour capable jouer une solution à crise qui a brassé le pays à dernier temps. Daniel Siriak qui a quitté communauté internationale la guerre les pour jouer dans réseau de crise qui gagne en dedans pays à dernier temps. Mettez sous ça pour le deal un objectif chitaba de Sayo, c'est pour jouer une solution nationale à cap problème pays d'Haïti. Apprenez parole Daniel Siriak en côté pour deuxième fois, toujours dans le micro, Radio Méga. Bon, concrètement, nous-mêmes, nous continuons à croire que la crise là, faut qu'il y ait une solution. Et pour qu'il y ait une solution, il faut que les acteurs politiques au niveau de l'opposition, qui traversent par la sensibilité populaire, qui croient que la situation qui fait que gang a tuer peuple là, chasser peuple là, fait que vous gagnez des dizaines de milliers de monde qui, sans y battre à temps, obligé de quitter Caillou, pour aller réfugier sous place publique, sous terrain football, n'est pas normal. Maintenant, et tout ça qui vous fait comme démarche,
comme discussion, comme concertation entre nous de la classe politique et de la société civile, faut qu'il continue à faire et avec implication internationale là lui-même, qui c'est un acteur majeur dans la crise là. Donc ça veut dire faut et concertation continuer à faire pour gagner et un véritable chiffre d'attendre qui pour mener nous dans un accord politique, un accord national de résolution de crise et qui pour forcer monde qui est censé prendre pouvoir des Haïtiens en otage là pour autant de raisons et quelle que soit approche qui est capable de retirer au sous-pouvoir, c'est lui pour nous capables de privilégier, pour nous capables de permettre de l'aller aller en dessous. C'est dans la dynamique ça que nous continuons de travailler, nous continuons à parler, nous continuons dans la concertation, nous continuons dans la réflexion normalement qui pour mener nous dans la solution problème non, et de manière pacifique, étant donné que nous pas dans la logique de rapport de force et de Jovenel Moïse là, donc lui-même qui allait jusqu'à construire des gangs et fédérer des gangs pour limiter la société haïtienne non, sous forte pression, sous forte intimidation. 6 heures. Nous poursuivons ensemble avec information dossier insécurité, zèque violation, gain gros impact sur entreprise à travers pays, surtout dans la zone métropolitaine. Ancien président chambre commerce indiscrite d'Haïti Jean-Aubert a écrit président chambre commerce là, qui c'est Laurent Saint-Cyr pour critiquer chambre ça qui pas jamais prononcé là, sous situation entreprise dans le pays d'Haïti. Jean-Philippe Massert est penché sous dossier ça, la présente un reportage. Attaque entreprise, pas suspendre si bien dans dernier temps ça yo. Pas quitter personne indifférent. C'est qu'un ancien président chambre commerce avec industrie d'Haïti, Jean-Aubert Agan, qui pas caché inquiétude li. Beaucoup d'entrepreneurs obligés, mais quand ils sont côté, mais quand à l'abri, ils n'ont pas de recours, ils n'ont pas de secours, et semblent abandonner à eux-mêmes. Toute société a campé des bois croisés, a gardé gros, moyens, acti entreprise, cap de pas fini, pillé, passé en bas flamme d'ifé, personne pas dit rien. Si la chambre commerce avec industrie d'Haïti, puis grave toujours. D'après Jean-Aubert Agan. Nous pensons que le chef de commerce, là, c'est lui qui t'a fait pour taper pied la tête. C'est lui qui t'a censé prendre défense entreprise, ça, entrepreneur, ça, qui, même, qui c'est des monde que ont bafoué, qui a crasé, alors c'est des créateurs d'emploi. C'est monde qui a créé job. Chef n'a pas dit un mot. Et il n'est pas normal. Quoi des bouquets, Badelma, Matissan, pillage là pas épargné personne. AFCO, une entreprise dans Matissan, c'est une victime yo. Collé à Soge Bank là dans Matissan 15, bandi yo fait plusieurs jours à piller jusqu'ounya. Propriétaire pas même capable de pointer tête li pour faire un inventaire. Bon entreprise yo les AFCO qui ont fait bagaille en fiberglass. Que vandaliser, pratiquement piller tout. Est-ce que connait que jusqu'ounya là mettre entreprise pas capable rentrer à nous prendre locali parce que occupant yo justement yo dans espace là yo pas libéré espace pas bon l'état qui va le support pas même mon chambre qui vous dit non frapper pied là tête vous dit non il faut que ca bal support là et je sais c'est pour plusieurs entreprises et ça pas normal mais qui ça qui empêcher chambre commerce réagir peut-être qu'à l'intérieur de chambre là il y a des diversions peut-être qu'à l'intérieur de chambre là il y a des courants différents mais et le dommage, c'est qu'il n'y a pas d'avantage aux précédents souvelés à la situation générale, là, à pays. Donc, c'est comme si tu as gagné, pas qu'à dire, l'unité signe, mais des courants opposés au niveau même de, au niveau décisionnel, qui fait que le bagage a été concerné. Jean-Aubert a gagné reconnaître la crise politique là, divisé tout secteur pas bon ici. Mais l'intérêt pays a dû primer, sous toute acquaintance. Écoutez, ce pays qui fracture en petit moment, et de tout niveau, là, tout secteur, c'est partout qu'il y a cette division qui est installée. Mais il faut bien aller au-delà de cette division-là. Parce que ce débat qui était subjectif, pour qui ça? Parce que ça qui veut, c'est qu'on y a. C'est comme si nous nous en sauve qui peut. Qui met les autres, là? Du feu après de caille, deux voisins de Bokoto, là. Ou Chita, ou garde du feu parce que c'est pas la caille. Il y a plein de voisins comme François. Ou Chita, parce que c'est pas au même.
Mais la ville sous au pari droit qui quitte progression ça fait. Jean-Aubert a gan songe quelque ancien président chambre commerce qui même dans période boudi dans pays a qui te compte prendre responsabilité yo. Gérard Bailly, ça dit bébé Bailly, nous nommé Ludovic Trudeau, nous nommé Fritz Kenol, Olivier Nadal. Donc ce sont des gens qui te prennent des actions alors que le moment est très difficile. Mais on prend action et on pose chambre. Maurice La Fortune, on pose chambre. La chambre de commerce d'une pratiquement inexistante. Et c'est une chambre vieille de près de 125 ans, son doyenne. Et c'est lui qui peut te prononcer. C'est lui qui peut te prendre. Pas quitter entreprise, entrepreneur. Le libre comme ça. Entre-temps, bandits ont continué à faire la loi dans le pays. Autorité ont paraît impuissant. Mais malheureusement, c'est eux qui continuent à toucher l'argent taxe population. Si vous pas capable, ancien président, chambre commerce la mandé la guépier ou. Même comme citoyen, c'est subinable ce qu'a fait là. Mais ça, c'est responsable, qui est responsable, qui est président, qui est premier ministre, qui s'en ouvre, qui a joué de privilèges l'État. C'est lui qui pouvait nous répondre. Et c'est deux fois, je ne suis pas capable de voter quoi. Jean-Philippe Masséan, Radio Méga. Merci en pile Jean-Philippe Masséan, ainsi qui était à la cause de plusieurs gros dépôts qui habitaient vendre produits alimentaires aux femmes et potio, de ces agriculteurs pas qu'à sous prix manger yo, non marché yo. Alix Gauthier, collaborateur, nous t'es passé dans plusieurs marchés, lui t'es parlé avec quelques petits marchands, détaillants, et t'es parlé tout avec quelques acheteurs. La présente nous yon reportage. Dernier jour sa yo, en pile citoyen après les en mouye par rapport à prix produit yo kap monte tête neg. D'après certains ti machan, situation vin plus compliquée par rapport à Jean Saté avant. Jamais yo vin yé là-bas, yo vin dégénérer dans mes machan. Parce que ziri, bagay pour dire alimenté a vin tellement cher. T'en coup pour anoual ka van 100 goud, 70 goud. Pas mi a mi an 100 goud. Pour B avant 125 gouttes, bien côté concert, tout le vent 150 gouttes. Pour vous dire augmenter, qu'est-ce qu'il y a le gallon, 930 dollars. Qu'est-ce qu'il y a le demi-gallon, 630 dollars. Quand on est 2500 gouttes, qu'est-ce qu'il y a de 80 dollars? Le spaghetti va à 115, 110 dollars, 120 dollars. Qu'est-ce qui gagne? Qu'est-ce qui vend 140 dollars? 1000 gouttes. Gerda, c'est un machin produit première nécessité, tacou, du riz, pois, l'huile et la trier, cap dégager le marché Pétionville. Gerda fait qu'on est en pile petit magasin là, il y a fait marché noir à cause gros magasin fermé porte pour raison insécurité. Et c'est une raison, d'après lui, qui cause produit pas suspendre monter. Il y a problème, c'est tout mal pour jeune marchandise là en moment ça magasin ou presque pas un chai. Moun qui gagne petit gagne baie quelques petits dépôts gagne baie vendre yo cher. Les acheter ou t'acheter des vendeurs pour faire prix ou dire prix à des que de compte bala ton tijan. Les vin monter gagne d'eau et pour aller baie vin tellement cher là va problème. Au commencement yo te dit comme américain cher. Mais en plus gagne pile magasin qui dit côté ou te qu'on a l'acheter tout fermé ou pas jeune dépôt ouvri. Ça semblait même pas fin comprendre si c'est ça net. Nous avons encouragé l'autorité concernée pour prendre bon genre disposition pour résoudre problème grand goût dans le pays. Yon façon pour être capable de râler un souffle. D'abord, si c'est le président qui a dit un mot pour le peuple, comme auparavant, et depuis qu'il a parlé, il a parlé, même les trucs que je clé repousé, même ce petit reste-là, il a fait façon, comme il a dit, petit reste-là pour le peuple, même ce petit reste-là, il a fait façon pour ça, en plus, nécessité pour le SIA, je n'en bagaille. Parce que grand pile bagaille qui va dire, grand goût qui fait plus gain plus des autres dans le pays. Depuis que nous avons levé le grand goût, pas vient de manger. Depuis que nous avons mauvais sans tête, la fait n'importe bagaille. En tout cas, c'est presque après chaque événement qui passait dans le pays, prix tout produit, et spécialement produit première nécessité, qui a tendance à augmenter. En pile observateur a demandé qui rôle ministère commerce et industrie dans le dossier ça. N'a pas rappelé, dans le jour qui saute passé, plusieurs gros business en bas la ville, victimes, Zach Pillage, Alix Gauthier, Radio Méga. 6h10. Merci ensemble avec Alix Gauthier pour dossier si là. Mouvement nous conseille annoncer un sit-in pour jeudi, mardi 29 juin, devant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique.
dans l'idée pour le faire population connaît procès petro caribé pas jamais fait sous régime tête calé a c'est pas l'occasion pour nous conscient dénoncer phénomène insécurité qui continue à valer terrain et puis dénoncer autorité dans ministère finance qui a débloqué l'argent pour voyer by groupe améyo d'après et sorti nous conscient et ben scadé c'est porte-parole nous conscient lieutenant micro Jésus Belamour. Aucun procès petro caribé pas possible tout autant que pouvoir PHTK là, parce que plus que deux tiers de l'argent, c'est eux-mêmes qui gagotent. Jovenel Moïse et Pegle dans le rapport, ça veut dire qui ça? Il n'y a pas de créer conditions pour le procès fait. Mais maintenant, ça plus étonné nous. C'est 22 juin 2021, nous, ouais, ce monsieur qu'on appelle le fameux juge Ramos Itaximé, juge PHTK de facto, mettez en ordonnance une décision d'ailleurs. Et la décision dit, par manque de dossier, il décide de camper sous instruction dossier Petro-Caribéa. Pendant la campé sous lit, malgré que tu es forcé de bouter campé dans le dossier, c'est pas de campé. Pendant la campé sous lit, il débloqué contre un ensemble de compagnies qui gagotaient l'argent ça. Il déjeune les comptes ça. Son tentative l'a fait pour capable blanchir un ensemble de monde dans le dossier Petro-Caribéa. Et nous-mêmes, nous avons continué la bataille là. Nous disons plus que 4 milliards de dollars américains qui dépensaient. Crime financier ça, il n'est pas supposé être sans punition. Et c'est peut-être ça. Demain, 29 juin 2021, nous avons devant le ministère de la Justice à 9h30, dans un méga sitting. Pour nous dire, ministre, juge, président, nous tous ces de facto, procès Petro-Caribé n'est pas possible ensemble avec nous. Mais également, tout près du ministère de l'économie et de finances. Ça qui a passé là dans le dossier gaz, pas innocent. Ministère de l'économie et de finances, ensemble de gangs qui ont bénéficié de gros l'argent, qui ont débloqué, faut le dire, côté l'argent ça a ressorti. Parce que nous, à l'université de l'État, par exemple, question cafétéria n'a pas qu'à résoudre, question bibliothèque n'a pas qu'à résoudre, tandis que gang a bénéficié masse l'argent. Élève l'école n'a pas qu'à suivre coup, parce que pas payé enseignant, gang a bénéficié masse l'argent. Donc, je dis là, nous avons mouru dans le corona, ils ont décidé, c'est de films privés pour aller porter médicaments, tandis que l'État dit, il n'y a pas investi dans le domaine ça qui sont domaine social. Donc, je dis là, il faut aller piquer nous devant le ministère finance. Même gens, nous allons piquer nous devant le ministère de la Justice pour le dossier Petro-Caribéa. Voilà, déclaration Benz Kader, qui est même, c'est une responsable groupe Petro Challenger, nous conscient. Je dis à la caplaté piquette, devant local, ministère de justice, la sécurité publique, qui trouve dans l'avenir chemin, mais grand ensemble de l'autre, est-ce qui dit à présent, tant qu'au groupe Petro Challenger, non au pape complice, et l'autre encore, qui même dit à présent, pour demander avec juge Ramos Itaximé, dit pas, il pas comprendre, question ordonnance, que les mêmes, les rendent, gain, y'ont l'autre membre, dans nos conscients, qui c'est Israël Voltaire qui lance un appel à la population pour protéger dans sitting ça et spécialement si là qui victime zak insécurité en d'un pays. Israël Voltaire qui est un membre estricti sa critiquer régime peut-être qu'à la deuxième version les dit qui plonge pays dans la situation de trouver la jeunesse jeudi à un côté Israël Voltaire qui a toujours un ami quoi José Belamour. Je pense que pour personne, je dis à que nous parlons pour que nous circulions. Population haïtienne, d'un côté que quotidien, je dis à la c'est massacre. Massacre dans tout quartier défavorisé. Si bébé pas épargné, étudiant pas épargné, socio professionnel pas épargné. N'a pas gardé volume, monde n'est pas assassiné dans le pays. C'est pour la raison pour laquelle nous faisons appel avec victimes de quartier défavorisé. Moun nan belé, moun nan Delmadé, moun nan Riel Maya, moun nan Cité Soleil, moun nan Saline, moun nan Solino, moun nan Croix des Bouquets, qui victimes nous ensemble de massacre. Ça pour que demain, si Dieu veut, il rejoigne nous conscients sous béton devant le ministère de la Justice pour crier colère contre le régime. Ça pendant 10 ans, c'est massacré, c'est tué la population haïtienne. Je dis à notre garde que son population, après toute misère, gaspiller tout l'argent payant, nous pas qu'à déplacer. Je dis à pour qu'on jeune garçon dans le sud, là, Jacques Méger, mis dans le grand sud, c'est avion pour le payer. Je dis à pour que, ouais, quoi, des bouquets, faut réfléchir. Yon jeune garçon, pour que je dis à l'entrée, la Tibonne, pour la Sema Gonaïve, il faut réfléchir avec canard 70, canard 50. Eh bien, nous dit peuple haïtien, il faut qu'il lève et campé. Demain, un gros citoyen qui a fait devant le ministère de la Justice. Pour nous dire que l'équipe Messie Nam soit pendant 10 ans qui peut payer un otage, il faut que tout le monde participe. Dès que vous êtes victime, vous êtes victime, il faut que vous participez. Dès que vous connaissez victime de kidnapping PHTK, dès que vous connaissez victime de massacre PHTK, dès que vous connaissez déplacement forcé PHTK, ça, vous participez là-dedans. Côté que les hommes ou femmes, vous participez là-dedans. Rejoignez-nous conscients demain. Dès que vous connaissez victime, demain, si vous plus tard 9h du matin, rejoignez-nous
nous devant le ministère de la Justice pour nous dire avec international et national pour voir bandit légal, ça parle interprète haïtien. Pour voir bandit légal, ça détruit.